Hello, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur les événements plus les bons plans du mois de septembre sur Animal Crossing New Horizons. Donc on est déjà en septembre. Comment ça ? Le temps passe vraiment très vite et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je fais à chaque mois. Donc dans un premier temps on va parler des événements, puis ensuite des bons plans, que ce soit au niveau des ressources, des clochettes et surtout des clochettes. Mais je pense que maintenant vous connaissez un petit peu le concept, de toute façon vous allez voir. Avant de commencer réellement, il fallait que je fasse une petite parenthèse tout simplement pour vous remercier parce que nous sommes maintenant 4000 abonnés sur YouTube. C'est énorme tout simplement, c'est beaucoup et en fait je trouve que juste vous dire merci c'est pas suffisant, mais je sais pas trop quoi faire de plus, donc bien évidemment je pense que je ferai un petit concours ou un petit truc pour vous remercier sur YouTube. Et sachez qu'en ce moment il y a un concours qui est en ligne sur Insta dont je vous parle aussi tout à l'heure, mais c'est juste qu'au moment où j'avais commencé à filmer la vidéo on n'était pas encore 4000 et du coup là on est 4000, donc fallait que je vous remercie. Et je voulais en profiter pour vous dire que parfois j'en reçois des messages qui me disent que mes vidéos aident des gens à avancer sur leur île, que grâce à mes vidéos ils ont de l'inspiration. Et en fait ce genre de message ça me fait trop plaisir parce que sachez que je passe vraiment beaucoup de temps à faire mes vidéos, vraiment énormément de temps, et voir des messages comme ça ça me fait me rendre compte que mes vidéos elles sont pas faites dans le vent, que je les fais pas pour rien, que ça peut quand même aider, et du coup ça me donne vraiment beaucoup de motivation pour continuer. C'est juste une petite parenthèse que j'avais envie de faire, merci beaucoup pour votre soutien. Et avant de commencer je vous présente un petit peu le concours qui est en ligne sur Instagram, et puis sachez que bientôt il y aura un petit truc pour les 4000 abonnés. Donc je tiens à préciser que ce concours se fait uniquement sur Instagram, donc si vous voulez participer, malheureusement vous êtes obligé d'avoir Instagram. Donc je vous mets vite fait les conditions à l'écran, toutes les conditions ne sont pas remplies, malheureusement je peux pas vous compter comme participant, donc voilà, faites bien tout ce qui est marqué. Et sur ce, je pense avoir dit déjà pas mal de choses, et je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. C'est parti! Comme d'habitude, tous les liens de tous les sites seront tous en description, ça ne change pas, littéralement. Et donc on va commencer par les événements, et sachez qu'il n'y a vraiment pas grand chose, mais quand je vous dis pas grand chose, c'est qu'il y a littéralement peut-être deux trucs. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de bons plans. Bah écoutez, c'est parti, donc on commence le mois avec le Festival du Raisin qui se déroulera du 1er au 30 septembre. Et donc à cette occasion, vous pourrez passer au Nookstop pour vous procurer la hotte à raisin, qui est une sorte de petit sac à dos en mode raisin, bien dans l'ambiance du festival. Sachez que comme d'habitude, tous les items dont je vais vous parler proviennent tous du Nookstop, et si c'est pas le cas, bah je vous le dirai. On retrouve également la fête de la lune du 12 au 21 septembre, où vous pourrez retrouver le plat de gâteau de lune, le plat de dingos, le plat de sang, puis bref, le truc à l'écran, et le tapis de lune. C'est donc les deux seuls vrais événements entre guillemets qu'on aura ce mois-ci, donc j'avoue c'est pas beaucoup. Mais au niveau de l'hémisphère nord, ce sera le début de la saison des pommes de pin et des glands du 1er septembre au 10 décembre. Je suis trop contente parce que ce sera enfin le début de l'automne à peu près, donc c'est là on va pouvoir ramasser des glands et les pommes de pin. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure pour les bons plans, mais en tout cas je suis assez contente parce qu'on rentre enfin dans l'automne et c'est ma période préférée. Dites-moi dans les commentaires quel team de saison vous êtes, genre été, hiver, automne, printemps, et team automne on est ensemble. Et ça, il me semble que c'est uniquement pour l'hémisphère nord. Il y aura un insecto safari le dernier samedi du mois qui sera de 9h à 18h. Donc comme d'habitude, le but est d'amasser un maximum de points pour récupérer un maximum de l'eau. Et donc au bout d'un moment, vous pourrez obtenir le trophée. On passe aux floraisons. Donc pour l'hémisphère nord, ce sera la période des pousses d'hibiscus rouge et jaune jusqu'au 20 septembre. Ainsi que la période des pousses d'osmanthus jaune et orange du 22 septembre au 30 octobre. Et pour l'hémisphère sud, ce sera la période des pousses de camélia rouge et rose jusqu'au 30 septembre. Et maintenant on clôture les événements avec les fragments d'étoiles, donc ce sera la période des fragments de vierge jusqu'au 22 septembre, ainsi que la période des fragments de balance du 23 septembre au 23 octobre. Et à cette occasion vous pourrez vous procurer le plan de la balance lors de votre première rencontre avec Céleste à partir du 23 septembre. On passe maintenant au bon plan au niveau des deux hémisphères, donc là vous allez voir que ça devient déjà plus intéressant, surtout pour l'hémisphère nord où il y a quand même des choses qui sont pas mal au niveau des clochettes. Donc écoutez, on commence sans plus tarder et du coup par l'hémisphère nord. Donc au niveau des poissons, nous avons l'esturgeon qui vaut 10 000 clochettes et qui est là 24 heures sur 24, la truite dorée qui vaut 15 000 clochettes et qui est là de 16h à 9h. Ce sera le dernier mois où vous pourrez retrouver la Rapaima et la Roroana qui valent tous les deux 10 000 clochettes et qui sont là de 16h à 9h. Le Dorado qui vaut 15 000 clochettes et qui est là de 4h à 21h.
le grand requin blanc qui vaut 15 000 clochettes et qui est là de 16h à 9h, le marlin bleu qui vaut 10 000 clochettes qui est là 24h sur 24, le requin scie qui vaut 12 000 clochettes et qui est là de 16h à 9h, et on termine par le requin baleine qui vaut 13 000 clochettes et qui est là 24h sur 24. C'est un très bon plan, donc là on retrouve plein de choses qui valent très cher et surtout que c'est le dernier mois, donc profitez-en, là on est vraiment pas mal. Donc maintenant on passe aux insectes, donc vous allez voir que c'est des prix moins élevés mais ça reste quand même assez pas mal. Donc ce sera le dernier mois où on pourra retrouver la lucane coprie irisée qui vaut 6 000 clochettes et qui est là de 19h à 8h, la morpho bleue qui en vaut 4 000 et qui est là de 17h à 8h, le scarabée goliath qui vaut 8 000 clochettes et qui est là de 17h à 8h, ainsi que la troïde alexandrae qui vaut 4 000 clochettes qui est là de 8h à 16h. On finit par les créatures marines, on retrouve la pieuvre parapluie qui vaut 6 000 clochettes qui est là 24h sur 24, le magnétier colossal qui vaut 15 000 clochettes et qui est là 24h sur 24, ça c'est bien, donc on en profite. Et pour finir, la crevette tigrée qui vaut 3000 clochettes et qui est là de 16h à 9h. Donc c'est tout pour l'hémisphère nord, enfin tout. Il y a quand même des trucs cool, on va pas se plaindre. Mais maintenant on passe à l'hémisphère sud où là c'est un peu moins bien, mais parfois on a quand même des petites pépites. Au niveau des poissons, on retrouve la truite dorée qui vaut 15 000 clochettes et qui est là de 16h à 9h. Le ou la Scarus, je sais pas ce que c'est, qui vaut 5 000 clochettes et qui est là 24h sur 24. Ce sera les derniers mois où vous pourrez retrouver le Daiyu qui vaut 15 000 clochettes et qui est là de 16h à 9h, ainsi que l'Esturgeon qui vaut 10 000 clochettes et qui est là 24h sur 24. Je disais que c'était moins bien, mais en vrai, au niveau des poissons, en tout cas, ça va. On passe aux insectes et là, effectivement, c'est moins bien. Donc nous avons le Papilio Bagnor qui vaut 2500 clochettes, qui est là de 4h à 19h. La Menthe Orchidée qui vaut 2500... je sais plus parler. La Menthe Orchidée qui vaut 2400 clochettes et qui est là de 8h à 17h. Et ce sera le dernier mois où vous pourrez retrouver la Morpho Bleue qui vaut 4000 clochettes et qui est là de 17h à 8h. On finit par les créatures marines, où on retrouve le crabe araignée géant qui vaut 12 000 clochettes, qui est là 24h sur 24, ça c'est bien. La pieuvre parapluie qui vaut 6 000 clochettes, qui est aussi là 24h sur 24. Et ce sera le dernier mois où vous pourrez retrouver le crabe royal qui vaut 8 000 clochettes et qui est là 24h sur 24. Et avant de terminer, on va parler des bons plans au niveau des ressources saisonnières. Donc pour l'hémisphère nord, vu que c'est la période des pommes de pin et des glands, sachez qu'une pomme de pin et un gland valent 200 clochettes. Grâce à ça, vous pouvez crafter des meubles et bien sûr, si les meubles ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours les revendre parce que certains prix de revente sont quand même cool. Même si je trouve que ces petits meubles sont quand même cool, surtout pour l'automne et vu que ça va être un peu la saison qui arrive, bah ça pourrait peut-être vous être utile. Et pour l'hémisphère sud, on n'a pas trop eu de précision au niveau des ressources. Sachez que ce sera toujours la période des jeunes bambous de printemps jusqu'en novembre, mais je me souviens plus trop. Il me semble que c'était jusqu'au 30 novembre, mais je suis pas sûre, je vous mets ça à l'écran. Et donc c'est intéressant de savoir qu'un jeune bambou de printemps vaut 200 clochettes, que grâce à ça vous pouvez également crafter des meubles. Du coup, c'est un peu dans la vibe du printemps, je dirais. Vous pouvez aussi les revendre si ça vous plaît pas, parce que comme d'hab les prix de revente peuvent parfois être cool. Et sachez que les jeunes bambous de printemps ont des taux d'apparition de 22%. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire comme d'habitude. Donc le mois est assez vide, mais en soi au niveau des bons plans ça compense assez bien vu qu'il y a pas mal de choses qui valent assez cher, donc on peut dire que c'est pas un mois trop mal. On a bientôt fait le tour du concept des événements plus des bons plans, donc sachez que je compte faire évoluer le concept comme je l'avais fait l'année passée, mais là il nous reste encore un mois. Je vous en reparlerai sûrement bientôt, mais voilà, j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire, mais j'ai quand même 2-3 questions à vous poser. Mais bref, vous verrez ça en temps voulu. N'oubliez pas le concours des 500 abonnés sur Instagram. Vous avez 2 semaines pour participer, plus précisément jusqu'au samedi 9 septembre 2023. Oui, on est en 2023. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, en espérant que vous serez là. Bye !